Le programme aujourd'hui, les amis, c'est très simple. On va replonger en enfance. Je sais pas, vous, c'était quoi votre première console quand vous étiez petit? Moi, personnellement, c'est la PS2 ou alors la Game Boy Advance, ça dépend un petit peu. Mais je sais que pour nombre d'entre vous, votre première console, c'était la Nintendo DS. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, lorsque je dis le nom de cette console, il y a les souvenirs qui pop, tu vois. Ça pense à Nintendogs, ça pense à Mario 64, à tous ces jeux si doux. Et justement, aujourd'hui, on a téléchargé un petit émulateur sur ordinateur pour replonger en enfance. On va tester ça ensemble ce soir et écoutez, j'ai hâte, c'est parti. Premier jeu de la soirée les amis, Mario 64 DS. Oh putain, j'avais oublié ça. Vous vous rappelez de ça? Oh c'est vrai, on peut dessiner ici. Attends, vous reconnaissez ce Pokémon ou pas? Who's that Pokémon? It's Pikachu. Fuck. On va faire les mini-jeux, on va pas faire l'histoire parce que sinon ça va prendre trop de temps. Allez, on va faire ces mini-jeux là. Il faut chercher Wario les amis. Ok, Luigi, il est là. Mario, il est là. Putain, j'avais oublié la nostalgie les gars. Mario, il est là. Je suis trop fort. J'ai rien dit. Oh mon dieu. Là, let's go. On est bien là. Oh mon dieu. À tout le coup, il y a que les yeux qui dépassent. On va essayer d'aller chercher la barre des 30 les gars. Mais nique ta mère. Oh. Attends, je vais essayer de rattraper ça. Allez, c'est pas perdu, c'est pas perdu. Let's go. La barre des 30 les gars. Joueur pro des mini-jeux 64, c'est ça. Je l'ai pas. Je l'ai. La barre! J'ai cliqué! Ah! J'avais oublié ce mini-jeu. Ok, très bien. Ah, mais parce qu'à l'époque, on avait le stylet aussi. On avait le stylet de la DS. Ah ouais, mais ça va vite devenir le bordel, en fait. Oh, le merdier. Oh, le merdier. Oh, je sens le merdier venir, là. C'est terrible. Normalement, il va faire le tour. Oh, what the fuck? Oh, mais ça va être dur, là. Ok, là, ça devrait être bon. Non, c'est pas bon. Bye bye. C'est pas bon du tout. Non. Attends, j'ai pas pu faire un score de 3. Attends, faut que je réessaye. Bon, déjà, on a battu le record tout à l'heure. Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh yes, c'est en 5. Niveau 2. Avant-dernier mini-jeu. Oh putain, j'avais oublié. Mais ce jeu est archi dur. Oh, souris, c'est trop dur. Oh, c'est trop dur. Non. Mais c'est un attentat. Non. Stop au massacre. Non, mais fleurs. Oh, non, non. Oh, non. Oh. Bon, on s'en est pas trop mal tiré, quand même. Non. Et là, après, je crois qu'il y a un jeu de boules de neige. Si je me rappelle bien, faut juste pas cogner les murs, ici. Hein. Allez, allez, on y va, on y va, on y va. Non. Non. J'étais presque. Oh, fait le chien. Mais, nique ta... Ah. Comme vous avez pu le voir, le niveau a été réussi avec succès. C'était bien drôle les amis, je pense qu'on va pouvoir passer à un autre jeu. Alors là... Comme je suis pas un nulos, je pars en 150 cc directement et je prends Yoshi. Allez c'est parti. Je connais pas les boutons de dérapage. Non, j'ai loupé les caisses objets. Mais ça comptait pas, ça comptait pas, ça comptait pas. Ah mais faut maintenir le dérapage. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est dur. On est quatrième les amis. Oh pardon. Eh, deuxième en clavier souris les gars. En clavier souris. Ah ouais mais celle-là elle est pas mal comme course aussi. Vous n'avez rien. Non. C'est rien. Non, ça va déjà être le dernier tour. Pourquoi il ralentit? Il y a eu un bug. Je crois que je vais rester dernier. Hein. C'est pas grave, je vais faire P1 à la prochaine course. Connard. Non. Pour l'instant, je suis P1. Ah. Je vous avais dit que j'allais faire P1. Je vous l'avais dit que j'avais fait P1. Dernier circuit. C'est là. Oh non, pas celui-là. C'est un merdier sans nom, le manoir de Luigi. Non mais chat, vous me déconcentrez aussi. Oh non, c'est trop dur. C'est trop dur les dérapages turbo en clavier souris. On a encore un tour pour les rattraper. Ok, les trois, ils sont pas trop loin devant moi. Les trois devant moi, là, ils sont rattrapables. Ok, je suis deuxième. P2. Ah. Oh, fais chier. P2, on prend. Alors, le clavier souris, on dit pas non. On a un autre jeu que vous allez bien aimer, je pense. Alors moi je l'avais sur Wii à l'époque. Je me demande ce que ça donne sur DS. Allez, on va représenter la France. Allez, on va faire le circuit des débutants. Et je vais prendre Shadow. Parce que je suis un mec dark. Alors use the stylus to play this event. Il faut utiliser le stylet. Comment je fais pour le faire? Oh. Je sais pas comment on fait. Nope.
Oh non, le faux départ. Faut juste que je tapote. Ah, faut faire juste gauche-droite. C'est trop dur. Attends, je suis Shadow. Je me suis fait péter par Wario dans une épreuve de vitesse. C'est impossible à la souris, les gars. Ok, là, c'est le saut en longueur. Je suis à combien, là? Oh. Mais en fait, j'ai pas de micro pour l'inspiration, c'est de la triche. J'ai sauté trop tard, c'est ça? J'étais tellement à la ramasse à cause de l'épreuve de tout à l'heure. Hammer Fro, oh non. On s'est lancé de poids là. Oh, ça va être horrible. C'est pas ouf. Et par rapport aux autres, c'est combien? J'ai fait 56 mètres moi. Ah non, bah non, voilà. Oh putain. C'est très compliqué, hein, on va pas se mentir. On va désolé les gars, j'ai pas réussi à représenter la France au JO. On passe à autre chose. Prochain jeu. Oh putain, je me rappelle de lui. Allez, c'est parti. Ok, la balle, c'est l'entre-deux. Nope. Je l'ai pas eu. Donne-moi ça. Trop facile. Donne-moi ça. Est-ce que je viens de lâcher? Comment on fait pour faire une super attaque déjà? Là, faut faire un M sur l'écran avec Mario. Attends, je vais essayer de le faire. N'importe quoi ce jeu. Du vrai n'importe quoi. Je dis wellplay les gars. Eh, n'empêche les gars, dans mes souvenirs, c'était pas aussi bien. Ça va franchement pour l'époque, la DS c'était lourd. Allez les gars, dernier jeu de la soirée. J'y ai joué ça à l'époque. Tu vois, le château est attaqué. Votre princesse a été kidnappée. Arrêtez de me faire croire que qu'il y a pas une romance entre Princess Peach et Bowser. Hein. Genre tu te fais pas kidnapper autant de fois. Moi je te dis, dans l'histoire, Mario c'est le dindon de la farce. Hein. C'est vrai, ça, vous avez rien vu. Voilà. Voilà, là on est bien. Je vais t'écraser, bâtard. Je vais t'écraser. Oh oui. Oh, attaque des titans, mec. J'imagine même pas les dégâts avec Unfair Mario. Oh, une grotte, merde. Alors, comment on fait déjà pour écraser? Ah, c'est comme ça. Ça reste quand même très intuitif, Mario. Et est-ce que, genre, quand j'en prends deux, ça fait quelque chose ou pas? Ah, ça me le met en stock. J'avais oublié que dans ce Mario, on pouvait le mettre en stock. Non, mais je suis sur clavier souris, les gars. Allez, c'est bon. Ça doit pas être bien compliqué. Je vais bien pouvoir traverser ce niveau tranquillement. Je vous jure, je le fais pas exprès. Hein. C'est juste qu'en clavier souris, c'est trop dur. Oh merde, à l'aide. Et que je me colle et que je saute. Ça marche très bien, ça. Ok, on est sorti. Let's go, trop facile. Vous avez vu, je suis mort 0 fois. Sortie secrète. J'ai pris la sortie secrète. J'ai même pas fait exprès. Oh, j'ai le timing. Pas maintenant. Ok, à la séparation, j'y vais. Tant pis pour les pièces. Oh merde. Oh, le grid. Vous connaissez déjà la raison. Il vit sa meilleure vie, Mario. C'est quoi ces squelettes rex géants, les gars? Oh, je vais me battre contre Baby Bowser. Merde. Oh merde. Oh non, merde, mais je connais pas le boss. Ok. Je sais pas comment je fais pour le battre. Bah GGS hein. Et voilà, c'est tout pour cette soirée spéciale Nintendo DS. Je sais que certains d'entre vous ont la larme de nostalgie là, juste ici ça coule là, c'est ouf. En tout cas, comme d'hab, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un pouce bleu. N'oubliez pas non plus de venir me checker sur Twitch, le lien est juste dans la description. Si vous cliquez dessus, peut-être qu'on sera en live à ce moment-là. Et comme d'hab, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace.